Le SAMU social gabonais propose depuis ce 22 août au SAMU socialisé de Libreville des examens médicaux gratuits. Équipés d'un laboratoire de qualité, de nombreux patients viennent de tous les coins de la capitale gabonaise pour des analyses médicales entièrement gratuites. On a commencé hier, nous n'avons pas vraiment eu affluence, mais ce matin on a vraiment reçu du monde, près de 200 personnes qui sont venues aujourd'hui. Ça veut dire que vraiment il y a des gens qui ont vraiment besoin de faire des examens. Faisons un peu des examens un peu standards. Examen d'hématologie, d'énumération, formule sanguine, les groupes sanguins, les examens de parasitologie, c'est-à-dire recherche de paludisme, qu'on appelle vulgairement goutte épaisse. Le premier service gabonais de secours, dont les prestations sont totalement bénévoles, fait de nouveau parler de lui. Jusqu'alors, les consultations se faisaient dans divers domaines de santé, mais des examens médicaux n'étaient pas encore à l'ordre du jour. Cette innovation a pour but de répondre aux multiples besoins sanitaires des populations économiquement faibles, avec ou sans assurance maladie, gabonais ou étrangers. Il était donc indéniable que nous permettions à nos compatriotes démunis, qui ont des bons examens à la maison, obtenus ici, même surtout ailleurs, mais qui sont démunis, de venir savoir de quoi il ou elle souffre réellement. Or, il n'y a qu'un laboratoire d'analyse biomédicale complet et gratuit, je dis bien totalement gratuit comme le nôtre ici, qui pouvait leur donner cette réponse importante. Dr Wenceslas Yaba entend poursuivre ses actions d'aide sociale sous multiples facettes, en tendant la perche aux personnes démunies. Notons que cette campagne d'analyse médicale va se poursuivre samedi, avec en plus des consultations dentaires.